Et ok! Et salut à tous, c'est Rukalkos, on est parti pour la suite de nos aventures sur Pokémon Rouge Sang. Je vous avais laissé la dernière fois suite à un Pokémon Shiny que je possède et dont j'ai voulu impliquer mes règles à la team Utopia. Et du coup, je me retrouve à la capitale, j'étais embêté par un clochard juste avant la fin, mais cette fois c'est la bonne, on va visiter cette capitale. Donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, une semaine c'est beaucoup trop, hein. Alzheimer me guette. Un mémé. Les liaisons commencent dans le champagne et finissent dans la camomille. Voilà, c'est l'expérience d'une de l'âge qui a expliqué ça. L'autre jour j'ai pêché un pois sirène mâle. À première vue, rien le distingue d'un pois sirène femelle. Vous savez que dans d'autres régions, on appelle les tas de merde des tas de morve. C'est n'importe quoi, il faut appeler un miaous un miaous. Ce sont des tas de merde, un point c'est tout. Un sens interdit en somme, ce n'est qu'un sens autorisé. Et pris à l'envers. Pour moi, Monsieur M n'est qu'un sale mafieux qui a su se faire une place parmi les puissants d'un talent. Bon, il y a du taf, hein. J'ai oublié le nom de la ville, pardon. Trinity, voilà. Trinity et toutes ces maisons qui traînent partout. Commissariat. Monsieur, il y a un clochard qui m'a attaqué la semaine dernière. Bonjour et bienvenue au commissariat de Trinity. Viens squatter. Pardonnez-moi, mais je suis sur un rapport là. J'aimerais ne pas perdre le fil. Sérieux, depuis le temps, ils auraient pu installer la climatisation dans ce putain de bureau. Il y a des agents de génie, des agents classiques. Personne en taule, quel dommage. Faut constamment surveiller ces cellules. Faut pas s'envoler. C'est le bureau du patron? Non. Et là, c'est le bureau du patron? Pourquoi il y a un cube butoqué comme patron? Commissaire Culbutoké! C'est compliqué. Bonne chance, les gars! Pourquoi y'a pas de son? Merci pour les trompettes! Ça fait plaisir! Pourquoi ce meuble passe à travers le mur? No comment. Et moi j'arrête de vous embêter, promis. Ah. C'est quoi ça? Y'a rien. C'est la ville bug, y'a des maisons partout mais... Bonjour, bienvenue monsieur. Puis-je vous proposer notre meilleur produit? Le Nuka-Cola, j'en ai, regarde. Ah, pas besoin, tout va bien. C'est une fabrique de Nuka-Cola, alors faudra m'expliquer... Non, on n'explique rien. Ri, je recommence. Chez les gens. Les historiens ont du mal à classer l'île d'Hyrule. En effet, ils étaient incapables de déterminer s'il s'agissait d'un nouveau monde ou plutôt d'un ancien monde. Les recherches archéologiques ont cessé depuis plus d'un siècle, je crois. C'est plutôt intéressant. Le livre dit que la faune et la flore y est radicalement opposée à celle du continent. Les Pokémon qui s'y trouvent sont relativement inconnus. Certains auteurs vont jusqu'à refuser le statut de Pokémon à ces créatures. Il y avait un débat virulent autour de la question, mais depuis, ça fait longtemps que le sujet est passé à la trappe. Je trouve ça super intéressant. J'aimerais beaucoup visiter l'île. Ça va peut-être être notre prochaine destination. L'une des rares villes que je n'ai pas encore visitées. Une fois, j'ai eu le malheur de dire à ma belle-mère, « Faites comme chez vous. » Elle m'a répondu, « Dans ce cas, sortez de chez moi. »
C'est dommage que Tesla ait été assassiné. Hein? À cause de ça, son arène a été rachetée par une grande compagnie industrielle. Nuka machin, là. C'est quand même curieux que le mec soit mort et que personne n'ait cherché à le remplacer. C'est quand même un champion d'arène. C'est pas clair, cette histoire. D'ailleurs, ça aussi, ça pose problème. C'est bien que Trinity n'a plus besoin de publicité, mais quand même, l'arène de Trinity conférait à la ville un statut particulier. D'ailleurs, où ça en est, cette histoire? Je ne suis pas certaine que... une autre arène de type électrique est ouverte, d'ailleurs. Moi, je dis qu'il y a un complot là-dessus. Alors comme ça, il y aurait une arène là-dedans. Excusez-moi, je viens squatter carrément. Ouais, tout est électronique, hein, du coup. Alors, si j'étais un badge qui n'a pas été retrouvé dans une arène, qui a été remplacé par une usine, je serais où? Dans le camion! Il va y avoir un Mew. Bonjour, j'ai pas trouvé un badge électrique par hasard. Bah tant pis. Toi! Faut que je note le code de tous ces cartons. On verra ça plus tard. Donc ça veut dire déjà qu'il y a deux badges que je vais avoir du mal à avoir. Oh, encore un centre commercial. Bienvenue petite. Tiens, regarde ce qu'on a en magasin. On s'en fout. Bienvenue au page d'Oran. On s'en fout. Ah mémé, tu me gênes. Ah la fontaine aussi. Nerveuse la gamine. Et moi, vous n'auriez pas une pierre soleil par hasard? Ah, oh, vous avez des trucs. Mince. Non, c'est bon. Une pierre soleil! La capitale, c'est jouable, non? Ah, saleté! Cette saloperie a pris mon fric, mais elle ne m'a pas donné ma canette. Démerde-toi. Je suis Ron Swanson, et j'atteste que cet endroit est de qualité. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Les têtes me disent quelque chose. Bonjour et bienvenue à Paid You Swag. Souhaitez-vous acheter une tenue? Non, merci. Merci, à bientôt. Bonjour, souhaitez-vous des informations concernant nos tenues? Ils ont caché le nom! Mais je suis bien comme ça, donc je m'en fous. Avant même que Pokémon Soleil et Lune ou XY existait, notre ami, notre cher concepteur de ce jeu, avait voulu faire des skins personnalisés. C'est un très bon point. Alors là, c'est une banque, c'est ça? C'est un casino. La banque, elle est juste en dessous. Bonjour. Putain, ça va être long. Hein. On va faire une heure de ville parce que c'est la capitale. Et du coup, les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi certains Pokémon ont disparu. Ça ressemble beaucoup à... enfin, au laboratoire de Cramoisil. Ah, la différence, c'est un escalier. Trop d'études. Je vais directement chez le boss, hein, ça.
Ah, salle de tente, de repos, pardon. Trois sortes de mensonges. Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Projet d'Astergo, les Animus. Salle test numéro 1. Compris pourquoi il y avait un lit, géolocalisation et singularité génétique. Ah bon? Ok, donc le truc de Shiny, ça se passe là. C'est la suite de l'histoire. Santé mutagène. Une flaque de sang, très bien, au revoir. Bande de bourreaux. Plus la merde. Y a pas un truc bien. Ah voilà, ça c'est bien. Vous n'auriez pas une pierre soleil par hasard? Certaines personnes pensent que les recherches sur des pierres sont inutiles. Ce qui est complètement faux. Bien au contraire. Imaginez que l'on découvre une pierre qui a les propriétés d'une pierre évolutive mais qui ne s'applique à aucun type connu. Cela signifierait qu'il existerait un ou plusieurs types de Pokémon encore inconnus. N'est-ce pas existant? Les pierres évolutives sont fascinantes. Le problème, c'est que nous vivons à une époque où on n'en trouve plus dans la nature. L'homme les a toutes prises pour les utiliser sur les Pokémon. Comment on fait? Tous les cosmonautes sont formels. Les couilles ne pendent pas en apesanteur, elles flottent. Oh. Ta ta ta, ne me dérange pas. J'essaye de trouver quel type de pierre peut faire évoluer les Pokémon de type poison. Une pierre poison. Vous n'avez pas une pierre soleil, merde. Les pierres ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais leurs légères variations sont essentielles car elles déterminent le type de Pokémon. Il existe quelques types pour lesquels aucune pierre ne semble fonctionner. Par exemple, les types spectre et ténèbres n'ont pas de pierre connue. L'existence ou leur existence avérée. S'il vous plaît, une pierre soleil! C'était ma seule chance. Bon. Ah, te voilà! Tu as le shiny avec toi? Non. Ok. Qu'est-ce que tu attends? Va le chercher! C'est vrai que j'ai pas le shiny avec moi. Attendez pas. Use! On est à la banque. Banque qui est bien planquée en plus. Je peux pas aller à la banque. Même la capitale elle-même est un labyrinthe. Bordel. Pousse-toi la vieille. Je crois qu'on n'aura plus trop besoin de Zigzaton. On va être bien là. Casse-toi la vieille. Et le truc qui sert à rien, sauvegarder alors qu'on a fait juste 2-3 discours à la con. Alors, est-ce que tu as ramené Shiny avec toi? Ok, donne-le-moi. Tiens, Ponyta. Oui, parce que le Shiny s'est fait appeler Staline par Alex, il me semble. C'est fantastique, merci. Merci mille fois d'avoir fait ça pour nous. Mais trêve de bavardage. Les types au labo nous attendent là-haut. Suis-moi. Téléportation. Moi, j'ai pas de téléportation, j'ai bouge tes fesses. Alors, 1... 2, juste là. Ori. Est-ce que nous allons accomplir ici... Ori, ce que nous allons accomplir ici est un grand pas pour la Team Utopia.
Cette installation m'a coûté une fortune, mais je pense que ça en vaut la chandelle. Avec l'ADN de cette daube, nous allons pouvoir géolocaliser l'endroit où se cachent les Pokémon légendaires. Allez, c'est parti! Messieurs, êtes-vous prêts? Oui, il ne manque plus que la Pokéball de votre Shiny. Et elle place la Pokéball dans l'habitat. Vous êtes prêts? Je lance le traitement. Ils sont à Hyrule. Je l'ai! Alors, c'est où? C'est étrange, il semblerait que c'est un endroit perdu au beau milieu des eaux abandonnées. Sérieusement? Oui, probablement une île. Ah ah, j'en étais sûr, ça ne pouvait pas être sur le continent. Mais attendez. Si c'est une île, elle n'apparaît pas sur les cartes. Super, encore un mystère. On n'a pas le temps de gaspiller pour survoler la zone. Donnez-nous les coordonnées, on s'y rendra en bateau directement. Bien. Je suis ravi d'avoir fait appel à vous. Le paiement a été fait ce matin. Je vous souhaite bonne continuation. Ori, rejoins-nous sur le quai de Trinity. Il faut faire vite, car plus le temps passe, plus la Team Atlas devient puissante. On doit impérativement trouver cette île, puis botter le cul à ces fumiers de l'Atlas. Allez les gars, on va se préparer. Téléportation. Encore moi avec mon bouge-toi le cul. Par contre, je vais avoir un gros problème. Mes Pokémon sont trop faibles pour la situation actuelle de l'histoire. Puisque on a croisé des Pokémon sauvages niveau 50-54, me semble. Et je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a atteint le niveau 50. Même Ponyta, je l'ai eu niveau 47, pour dire. Du Moonwalk! Non? Moonwalk? Non, pas Moonwalk. Oh, mademoiselle, madame. Bonjour et bienvenue à la ferme Longlong. Ma famille tient celle-ci depuis de nombreuses années. Si bien que nous sommes parvenus au fil du temps à devenir une référence de choix pour ce qui est du commerce agricole. Nous élevons également des écrémeux ainsi que des taureaux. Nous sommes également numéro 1 dans la production de la commercialisation du lait meumeux. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, allez voir mon père. Si vous voulez acheter, n'hésitez pas à me demander. Non, t'as pas de pierre soleil, casse-toi. Des écrémeux et des taureaux. Très bien. Lequel d'entre vous est le père de la demoiselle? De papou. Mais lui il va s'échapper. C'est un pony. Ah oui, c'est un Ponyta. Là ça c'est un Ponyta et le grand là c'est un Galoupa. J'aurai bientôt, enfin. Mais ça veut dire qu'il y a des. On s'en bat les. Ah bah ça doit être papa. En gros on s'en fout. Que j'ai un vélo. Plein de maisons partout. Les maisons ici sont très bizarres. Non, merci. C'est aussi cher que dans GTA. Pique la gogo. Compliqué, ce modèle n'est pas tout tout jeune. Il me demande si ces pièces sont encore commercialisées. Il n'y a jamais le grand prix. De toute façon, je suis trop nul à ce genre de truc. Autant que j'investisse mon fric dans un vélo. Hey, salut toi! Dis, ça t'intéresse de participer à un concours de vitesse? En plus, il y a un super prix à gagner, c'est vrai. J'ai un des rares tickets qui a été vendu pour la saison.
Je le vends pour 10 000, ça t'intéresse? Merci. Oh, dommage. C'est pas grave, mais si ça t'intéresse, reviens me voir, l'offre est toujours. J'ai besoin de cet argent en plus. 10 000? Jette-toi directement le vélo, je sais pas. Jette-toi une voiture même pour 10 000. Je sais plus les notions, il y en a qu'il y a des youtubeurs qui ont parlé des notions de prix dans le jeu, combien représenter 100 poké-dollars en francs puis en euros. Bon désolé, j'ai vraiment pas le temps de parler à tout le monde, on va directement au niveau des quais, ça doit être par là, non ça c'est le pharaon. N'est-ce pas, le monsieur il s'appelle On à tous les coups. Ah, bonjour jeune explorateur, j'ai déjà entendu parler des frères Pourra. Les frères Pourras, pardon. Non. Formidable, laisse-moi t'expliquer. Mes frères et moi sommes les gardiens d'un grand savoir et nous préservons quelque chose de secret. Seul celui ou celle capable de résoudre toutes nos énigmes aura le privilège de le découvrir. Voici un plan des quelques phares où nous nous situons à talent. Alors, on a là-haut, j'y suis jamais allé. C'est bien, c'est parce que là, je peux montrer la flèche. Donc là, j'y suis jamais allé. Ça, c'est bon, je peux y aller. Il y a bien un phare ici. Ici, ah, je peux remarquer. Là, ouais, on l'a vu. Celui-là, non. Chacun de nous te soumettra 3 énigmes. Si tu y parviens à y répondre, récompensé, tu seras. L'affaire à la façon du père Pourras. Une Pokéball. Vous venez de voler la Pokéball qui était réservée aux gagnants. Ah ! Une cassette ! Trop bien. Où je trouve. Oui. Mais y a rien du tout. Bonjour jeune explorateur, as-tu déjà entendu parler des frères Pourras? Oui. Super, tu es prêt à commencer? Trouve la suite logique de ces nombres. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Alors, 3, 1, 2, 2, 1, 1. Ouh, ça rigole plus là. Effectivement, 1 égale 1, 1, vous avez compris. Je vous laisse réfléchir. Hein. Tu as finalement trouvé, c'est bien. Passons à l'énigme suivante. Ah ah, je sens qu'on va rigoler. Trouve le nombre suivant de cette suite. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. Ouais, j'ai remarqué l'équivalent qu'on rajoutait 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Blablabla. Je vous laisse réfléchir là aussi, là-dessus. Bon, j'avoue que c'était pas particulièrement difficile tout ça. On touche à du sérieux maintenant. Trouve le nombre suivant de cette énigme. Alors, 2, 6, 42, 1806. Ah ouais, là j'avoue que là, soit il dit n'importe quoi, soit je l'ai pas trouvé. Ah, ça doit être spécial. Ok, j'ai trouvé. Mais il va me falloir Excel. Pause Excel pour les nuls. Alors, si je fais égal... 2. Non, si je fais 2 puissance 3, ça passe pas. Non, c'est pour le 6. Et voici 36.
Donc si je fais 6 puissance 2, plus 6, on a nos 42. Ensuite, si je fais égal 42 au carré plus 42, on a nos 1806. Donc, 1806 puissance 2 plus 1806. Ok. On va essayer ça. Hein. Alors qu'on a tout vu, trop bien. Alors, ah purée. Voilà, ça ira mieux. Donc j'ai 1, 2, 3, 2, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, trop fort! Il était pas facile celui-là. Je vous laisse réfléchir. Et du premier coup, hein. Donc pour ceux qui veulent savoir, le dernier, en fait, il suffisait de mettre le même nombre au carré et de rajouter le même chiffre. C'est des suites logiques de nombres. Sachez que si vous me trouvez assez chelou, déjà que je suis un habitué des professeurs Layton, donc ça explique pas mal de choses. Mais pour ce qui est des suites des nombres, il y a aussi un petit jeu que je m'amuse qui s'appelle 365 casse-têtes. On m'avait offert pour mon Noël et depuis le début de l'année, j'arrête pas de faire des casse-têtes. Donc tous les jours, il y a un casse-tête. Et de temps en temps, il y a des casse-têtes de ce genre. Donc voilà. Donc dites-vous bien que je suis pas un surdoué, c'est juste que j'ai l'habitude de ce genre de truc. Et quand on exerce bien notre cerveau, vous avez pu constater que au bout d'un moment, il faut plus beaucoup de temps pour réfléchir et on s'emmerde un peu quand même. Donc désolé pour ceux qui s'imaginent, hein, non, tout va bien. C'est juste que je ne vis que de ça, c'est ça qui est bien. Et bien plus intelligent que tu en as l'air. Effectivement, la réponse était ça. Tu mets ça au carré, voilà, blablabla. Et bien bravo, que dire de plus? L'élève surprend le maître. Il a correctement répondu à mes trois énigmes. Donc en ce qui me concerne, tu as validé l'épreuve de mon phare, bien joué. Oh, ça donne tellement envie de casser le jeu et de tester tous les énigmes. Peut-être que ça donnera lieu à une séance spéciale. Quand même essayer de continuer l'histoire, parce que le plus intéressant pour vous c'est Pokémon, c'est pas les énigmes. À moins qu'on me dise le contraire. Mais je dois avouer que pour le dernier, si j'avais pas de calculatrice, ça serait trop long et trop chiant. Donc j'ai pris une calculatrice, à savoir Excel. Donc, pour ceux qui maîtrisent le logiciel Excel, le petit accent circonflexe était la façon pour dire qu'on mettait à la puissance. Donc pour ceux qui maîtrisent pas ce que c'est que mettre un nombre au carré, racine carrée, etc., désolé pour eux. Retournez à l'école à la limite. Oh, Battle Royale. Non. J'ai pas le temps. Tumpenny Tower. Oh, encore un truc, non, c'est bon. Je vous laisse découvrir tout ça, franchement. Je commence un peu à avoir la flemme de tout découvrir. Et on sent bien que la capitale, ça a été superbement travaillé. Peu de choses près qu'il y a des bugs parfois. Donc j'essaye de trouver le quai. Excusez-moi, je suis un peu jeune pour aller là. Ok. Il y a un passage à droite apparemment pour... Oh là là! C'est pire qu'un labyrinthe. Je préfère encore me perdre dans le Pyramia House plutôt que ici. Je pensais avoir fait le tour de tous les trucs. Mais ça, c'est la plage, c'est pas des caisses. Ça.
À 2 ans, le succès, c'est de ne pas faire dans sa culotte. À 3 ans, le succès, c'est d'avoir des dents. À 12 ans, le succès, c'est d'avoir des amis. À 18 ans, c'est d'avoir son permis de conduire. À 20 ans, c'est de bien faire l'amour. À 35, c'est d'avoir de l'argent. À 50, c'est d'avoir de l'argent. À 60, c'est de bien refaire l'amour. À 70 ans, c'est d'avoir un permis de conduire encore. À 75 ans, c'est d'avoir des amis. Ah oui, d'accord. Et qui dit le contraire quand on est vieux parce que c'est exactement la même chose. À 80, c'est d'en avoir encore toutes ses dents. À 81, c'est pas de faire dans sa culotte. C'est lent. J'ai passé une excellente soirée. Mais ça n'était pas celle-ci. C'est débile! C'est débile! Et j'en rigole. Ah, encore des gens. Mais merde! Où ces putains de quais? Là, je vois un truc. Comment ça, je peux pas. Je peux pas surfer ici. Là! Putain, trop con! Bonjour. Ne remets pas demain ce que tu peux faire après-demain. Un policier qui vient de me dire ça. Bravo. Encore des bateaux, c'est chiant. Ah, te voilà. Tu t'améliores sur la ponctualité, c'est bien. Ouais. Tout est prêt pour le voyage. Ça va nous prendre une journée. T'es prêt à embarquer? Oh, de toute façon, on n'a plus le temps. Les enfoirés ont déjà capturé des Pokémon légendaires. Vite, suis-moi. Wow, j'y crois pas. C'est donc vrai, la team dont on ne parle pas est bel et bien existé. C'est un sceau chinois. D'accord. Dharma Initiative s'est exilé sur 7 îles. Très bien, Ori. Il va falloir se montrer prudent. La team Atlas est déjà sur place. Nous allons profiter de l'effet de surprise. Mais il nous faudrait un endroit où se planquer. Regarde. Un bâtiment dur, par là. Moi et les gars, on va se mettre dedans. Quant à toi, il faudrait que tu explores les environs. Je pense que porter leur uniforme ne servira à rien ici. Ils doivent être très organisés et se surveillent probablement tous les uns les autres. Se trouve où se cache la team Atlas, tâche de découvrir s'ils sont parvenus ou non à dresser un Pokémon légendaire. Reviens m'informer. On restera dans ce bâtiment d'accueil. Quand le moment sera venu, on donnera l'assaut. Et on prendra le contrôle de l'île. Allez, suivez-moi. Téléportation, très bien. On se demande qui sont les vrais... Namasté. Bienvenue sur l'île. Alors. Alors. Voilà, on est sur l'île. Et où, quelle est cette île? Ah, on a quelque chose là. Ok, on est au sud. Mais ça n'existait pas ça avant. Ou j'ai pas fait attention. Il y a des Pokémon sauvages. J'espère qu'on peut soigner nos Pokémon ici. C'est ici qu'ils accueillent les nouveaux membres du projet Dharma. On ne sait pas grand-chose sur ce projet, au fond. Un mât de paperasse et les fichiers administratifs que j'ai trouvés me laissent penser que les employés eux-mêmes n'en connaissaient pas le réel but. Blablabla. Oh, le village au centre. Les plusieurs stations ont généralement trouvé des choses qui sont... Ouais. Bon bah je peux pas soigner les Pokémon ici, très bien. Ça a donné. Y a pas de son, y a pas de musique. Ah si. Quel Pokémon on va tomber?
Il va y avoir que des Pokémon légendaires, ça va être drôle. Maison. C'était 23. Traîné par terre, très bien. On s'en fout de ce que c'est pour l'instant. L'utopie. Pourquoi il y a marqué utopie? Il y a un problème là. Pourquoi il y a marqué utopie? Hein? Pourquoi quand je marche sur l'herbe, il n'y a pas de Pokémon? Je voudrais trouver un truc. Si là je soupçonne un truc, je voudrais vérifier s'il n'y a pas un autre message du genre Atlas par exemple. Là s'il n'y a que Utopie, c'est. Déjà c'est relou. Oh bah il y a des Pokémon! Pokémon niveau 49! C'est un noix de coco niveau 16 qui m'avait posé problème à une époque. C'est mal, c'est bon. Ça va être long, hein. Ça va être très long, il faut absolument que j'améliore mes Pokémon, là. C'est une urgence. On sent que c'est une urgence. Déjà, je voudrais faire évoluer mon Ponyta, ça sera déjà pas mal. Déflagration. Ouais, ça fait mal quand même. Et avec Billy. Ouais, il y a vraiment besoin que j'améliore mes Pokémon. Ils ont besoin d'être niveau 60 là. Bateau cassé là. On peut pas y aller. Et moi. Et ultra glauque. Le Pokénium qui se trouve sur l'île semble être une matière fossile capable de générer une force magnétique. Ce sont ces propriétés étranges qui semblent attirer ces Pokémon pour une raison encore inconnue. Ils sont réceptifs. Les dirigeants du projet Dharma projettent d'extraire la dite matière. Pourrions utiliser les ruines du temple situé au nord. Ça semble être un bon point d'accès pour acheminer le Pokénium à la surface. Qu'est-ce que le Pokénium? Les types qui ont voyé à travers le vortex en sont revenus avec cette orbe étrange, mais ce n'est pas tout. Leur comportement a changé. Certains sont devenus fatalistes, d'autres catatoniques. Tous sont plus ou moins violemment perturbés. Les plus lucides sont incapables de décrire avec exactitude ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Certains rapportent avoir erré dans un monde organique distordu. Tout semble s'ouvrir d'un même phénomène. Ils ont l'amusé d'une personne âgée sans que leur corps n'ait pris une seule ride. J'ai mal à entendre le son. Ah. C'est une fausse porte! C'est fait avoir! Là aussi! Là je peux, je sais pas pourquoi. Cher journal, j'ai remarqué quelque chose. Souvent le soir, lorsque je me balade sur la plage, à l'est, il m'arrive de percevoir un rayon de lumière qui vient briser la nuit. Je ne sais pas d'où cela peut provenir, mais je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a au-delà de l'océan.
Assistance médicale, bonjour. Mais vous les soignez. On va voir. Insérez 6 Pokéball ou moins dans le tube prévu à cet effet, puis confirmez. Attendez quelques secondes. Oh. Merci d'avoir patienté. Vos Pokémon sont en pleine forme. A bientôt. Ouais, ils ont l'air en pleine forme. Sauvegarder du coup. C'est une bonne idée, je sais pas. En tout cas, voilà, je vais pouvoir m'entraîner ici, s'il y a un centre tout proche. Alors, à l'est, il se passe une lumière, et au nord, il y a des ruines. Et des fleurs aussi. Une partie de l'équipe envoyé dans le vortex est revenu hier. Les mecs sont complètement désorientés. Ils ont tous été mis en observation. Apparemment, ils déclarent ne pas être restés longtemps de l'autre côté. Pourtant, nous avions abandonné l'espoir de les revoir apparaître un jour. Il semblerait que le temps ne s'écoule plus rapidement dans notre monde. Quant à l'orbe, ils ont rapporté, il a été envoyé au labo du temple. Le temple, c'est un labo, d'accord. Ensuite, nourrissons les premiers jours. En commentaire. Note. Je ne sais pas exactement ce qui se trame à l'hydre, que personne n'est autorisé à divulguer ce qui s'y passe. Mais les quelques rumeurs qui fuitent laissent entendre qu'il s'agissait d'expériences vraiment douteuses. On raconte sur lesquelles il essaye de croiser. Un génome humain avec ce pas. Il s'agit de spéculations malsaines ou des faits, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est ce qui s'y passe. Pas clair. Est-ce que ça veut dire qu'un Pokémon Shiny serait un humain transformé en Pokémon dans ce jeu? Anno semble laisser entendre que la station du Cygne a été construite pour endiguer les forces magnétiques. Et maintenant de la brèche. Et a été faite dans une poche de Pokénium. Par une équipe de forage de la team d'Arma. La station tout entière a pour unique fonction de désamorcer la charge de façon régulière. En bas de page, une série de nombres est griffonnée. Oh putain. 2 secondes. Et juste la flemme. Enregistré. Putain, ça devient un jeu à énigmes. Que c'est que ce jeu? Très très bien. Alors, et là, il y a un truc qui a été enfoui. Là, il y a un truc. On va y aller. Ah, c'est une trappe en acier scellé. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Encore ? Ok. Excusez-moi, il y avait la flèche. Ouh, ça devient tellement mystérieux. J'en tourne en rond, dis donc. Je pouvais passer comme ça. D'accord. Ok. Il me reste encore des points d'accès. Hein. On ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas.
Encore pas mal de lieux à visiter, de toute façon. On n'a pas encore vite fait le tour. Il y a la partie utopie, là. Je comprends pas pourquoi il y a marqué utopie. Ici. Ce n'est pas normal. Alors qu'on vient d'arriver. La noix de coco niveau 49. J'ai un Ponyta seulement niveau 47. Marteau bois. Quasiment la moitié de la vie. C'est mal. Il va falloir vraiment que... que j'XP à mort. The Perle. Saison 5, la Perle est une station d'observation. Tout le matériel adéquat s'y trouve. Ce dernier permet aux chercheurs d'avoir un œil sur tout. On peut y voir les Pokémon en milieu naturel aux quatre coins du monde. Waouh. On peut y voir le continent, on y observe les humains, sur le sujet des humains ou Pokémon. De la part de tous les collaborateurs du projet Dharma, Namaste. Bonne chance. Un trou. Une carte. Quand on n'aurait pas notre propre carte, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Une activité énergétique suspecte a été signalée à l'est de l'île. Une très forte énergie. D'accord. Des bouquins. Là. Passer sur le bureau. Un PC différent, des notes différentes. La balise relève une présence conséquente de métal au fond de l'océan, quelques kilomètres de l'île vers l'est. Bon, apparemment, je crois que notre matière qu'on recherche se trouve à l'est, ça c'est sûr. Tellement de trucs bizarres qui se passent à l'est de l'île, apparemment. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il y a du sang et des trous partout ici. Il y a dû y avoir des explosions. Là, il se passe pas grand chose de très 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 serein. Pourquoi je peux utiliser surf? Plus ça va, plus j'ai des questions à me poser. Pourquoi il y a marqué utopie? Pourquoi je peux pas aller par là? Pourquoi tout se passe en fait à l'est? Pourquoi je me pose des questions? Okay. Ouais, j'ai à peine fait un combat Pokémon que... avoir du mal à continuer. Je vais avoir du mal. J'ai pas non plus envie de faire une séance spéciale entraînement, ça peut être pénible. Comme j'ai dit, j'aime bien faire enfin éviter le hors stream. Ouais, j'ai trouvé la planque, elle est là. J'y vais en vélo en mode non mais c'est discrétion. Wow, ça se complique là. Ah ouais, là ça va faire mal. Ça aura du mal. Headshot. Oh, brûlure. Très bien. Oui, magique, ça peut faire mal. Ça. En évitant les headshots, ça serait bien. Ok, GG.
Vous êtes au niveau 36, 2, 2, 1, 3, 0. Encore du 0. Pour Xatu. C'est un peu dégueulasse. Je suis vraiment désolé, mais... C'est compliqué, là. Je vais avoir du mal à avancer. Et je pense que là, les dresseurs adverses, ils vont avoir des Pokémon niveau 53-54. Je vais rien comprendre. Il va falloir que je trouve une solution au plus vite. Là, par là, c'est pour Utopie. Donc ça, ça... On va partir sur du gros tryhard, là. On s'en fout. J'ai que très très peu de Pokémon qui peuvent survivre ici. Je sais pas combien Ponyta de déflagration, mais il va falloir changer un peu. C'est la plus grosse attaque feu, enfin l'une des plus grosses attaques feu maintenant. J'aimerais bien avoir une autre attaque feu. C'est possible ça? Que de faire, sœur, vol, de choc, protection, lance, soleil. Non, j'ai rien du tout. Pas d'attaque en soleil. Pardon? C'est une blague? Je suis en train de craver un chemin. Chemin est en train de cramer. Bon bah si c'est un Pokémon de base, on s'en fout. On peut le tuer. Ça donne max XP, donc c'est cool. Ne faites pas ça sur un vrai jeu. Hein ? Chemin ne donne que... Putain, j'aurais dû capturer si j'avais su. Ne serait-ce pas totalement con de ma part ? Mais oui, je suis un gros débile. Ouais. On va déflagration. One shot pour. Passeport. Lily. Déjà, il a parasport, c'est bien. Feuille magique aussi. Stop. Bien. Pas beaucoup d'hyperbole. Nickel. J'en ai juste eu marre. Et en plus, c'est un mal. Non, on va pas le renommer. Ok. Alors, on va voler. Normalement, on va être devant le centre Pokémon, c'est bien ça. Gagné. Donc, on a un joli Flore. Depuis le temps que j'en voulais un. Et du coup, je vais m'envoler. Ça fait bizarre, hein, le son dans le niveau de deal, il n'y a pas grand chose. Thank you.
Au revoir, Ortide. Et... Oh, bonjour, Zexatron. Voilà. Je crois qu'on a à peu près toute l'équipe complète, même si j'ai pas de vrai support. Juste vérifier ce qu'a Jolifleur comme attaque. Ok, on va éviter... Donc Zénith, il va falloir que je l'enlève. Hein. Alors, doux parfum parasport, Zénith et feuilles magiques. Oula. Donc parasport, ça va, mais j'aurais préféré poudre dodo. Bon, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Mais au moins, j'ai mon joli flore, donc c'est déjà mieux. On doit trouver l'île, voilà. Et ça va être avec ce dernier membre de l'équipe, un vrai cette fois, que je vais faire la première coupure. Avec une équipe de Pokémon constituée de niveau 47, 48, 36, 40 et 36. J'ai dit 36, non. On a deux 47, un 48, un 40 et un 36. Donc j'ai encore pas mal à améliorer avant de pouvoir poursuivre l'aventure. A tout de suite les gens.